Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Le général Abdoulaye Keïta vient d'éteindre les polémiques et rumeurs alarmistes qui ont circulé sur sa personne. Cet officier supérieur de l'armée que la clameur des réseaux sociaux a donné pour limoger à faire une apparition ce vendredi 28 avril 2023 à Kinja. Tenez-vous bien, celui qu'on surnomme Commando Faki n'était pas allé pour une simple promenade. L'inspecteur général des forces armées y était rendu pour installer le nouveau commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix des samouraïs. Nommé le 24 avril dernier, lors de ce déplacement, il a remis le drapeau et des attributs du commandement au colonel Moussa Keïta, ex-commandant du bataillon Gagan 7. Détenteur d'un diplôme d'état-major et spécialiste en transmission, porteur d'un message colonel Mamadi Doumbouya de la chaîne de commandement militaire, l'inspecteur général des forces armées a transmis à cette occasion des mots d'encouragement à l'ensemble des forces de défense et de sécurité selon le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée. Comme pour dire que le général de brigade Abdoulaye Keïta fait partie encore des hommes de confiance du colonel Mamadi Doumbouya. Eh bien les amis, c'est ici que prendons fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés et scotchés à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.